Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Abuja, alors que la tension était vive ce jeudi 27 juin 2023 à Niamey, lendemain de la chute de Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'état militaire, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Bola Tinubu et ses pairs comptent se réunir au sommet extraordinaire le 23 juin prochain à Abuja. Des sanctions sévères visant les putschistes sont en perspective, a appris Réveil d'Afrique. Cet énième coup d'état qui met en mal la démocratie dans l'espace Tidéao est perçu comme un pied de nez administré aux dirigeants et les autorités régionales. Surtout en son tout nouveau président en exercice, le Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, lequel avait appelé le 9 juin dernier ses pairs à agir contre le changement anticonstitutionnel. Le sommet d'Abuja sera majoritairement consacré au coup d'État au Niger, a-t-on appris d'une source de l'organisation à Abuja. Quelles sont les marges des manœuvres dont dispose la CEDEAO? Une intervention militaire est-elle envisageable à cette stade? Les marges de manœuvre sont minces à ce stade où le coup d'État est consommé. Ce qui est classique, c'est d'abord la suspension du pays, de toutes les organisations, des décisions de la CEDEAO, ensuite imposer des sanctions ciblées contre les putschistes. Ce sont les principaux leviers qu'ils ont à ce stade d'intervention militaire. Reste très improbable, surtout que le reste de l'armée s'est déjà rallié au CNSP. Mieux, la force anti-coup d'État de la CEDEAO n'est toujours pas opérationnelle, confie une source proche de l'organisation. À Niamey, la situation était tendue ce jeudi 27 juillet 2023. Les manifestants pro-coup d'État ont incendié le siège du parti du président déchu, tandis que d'autres s'en prenaient à la France avec propos hostiles en doublant la Russie dont le drapeau était brandi. Les putschistes n'avaient toujours pas pu trouver un compromis sur la personne qui doit diriger la transition, mais les tractations se poursuivent. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez connectés à la chaîne Patrice pour la plus intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information.